Bonjour les gens, quelques conseils et stratégies pour bien mélanger vos cartes. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un mélange rapide et efficace avec de bons résultats. Je considère que vous avez des joueurs normaux autour de la table, c'est-à-dire pas de tricheurs. Sinon, je vous invite à regarder des vidéos qui expliquent les différentes techniques de triche au niveau du mélange des cartes. Le but est que le mélange n'abîme pas vos cartes. Lorsque vous avez beaucoup de cartes, là c'est un jeu de 54, là il y en a 84 je crois, et là il y en a 100. Mais en fait, n'hésitez pas hein, dans ce cas-là à prendre des demi-paquets ou des paquets plus petits pour pouvoir mélanger et être plus à l'aise. Pour avoir un bon mélange, je vais vous proposer de faire deux mélanges différents. Il y a le mélange français, que je suis en train de faire devant vous, et le mélange américain. On va aborder les limites à ne faire que le mélange français. Pour illustrer, on va séparer le paquet en deux et mettre les cartes tête bêche. Si le mélange était bien fait, au bout d'un certain temps, on aurait alternativement une carte recto, une carte verso, etc. Maintenant, regardons le résultat. Vous voyez bien qu'il y a des gros paquets qui ne sont pas mélangés du tout. Alors, ils sont peut-être mélangés entre elles. On voit bien que ça mélange pas bien du tout en fait. Maintenant, la limite du mélange américain. On met les cartes tête bêche comme tout à l'heure et on va voir le mélange. Et là, vous voyez déjà qu'avec une seule fois, c'est déjà pas trop mal. On peut même le faire une deuxième fois. Et là, on voit que les cartes sont un peu mieux réparties. Vous me direz, bah, autant faire plein de fois le mélange américain. Oui, sauf que le mélange américain a un autre problème, c'est qu'en fait les cartes du dessus ne se mélangent pas entre elles. On va illustrer avec les cartes du dessus et du dessous. Donc là, le paquet, je le sépare en deux. Avant, j'ai enlevé roi, valet, dame de pique, on va les mettre dans l'autre sens et le trèfle de l'autre côté. On s'en verra bien. Et pareil pour le cœur, où là on les met, c'est pareil dans l'autre sens des cartes, tête bêche. Et pareil pour le carreau. Ce qui fait que globalement, les cartes, les têtes noires sont sur le dessus et les têtes rouges sont sur le dessous. Et maintenant, on mélange. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et là, vous voyez bien que les têtes noires eh bien, en fait, sont un peu descendus, mais les têtes rouges, en gros, sont toutes restées. Alors, je vais refaire un coup de mélange, hein, parce qu'ils ne sont pas tous réussis, mes mélanges américains. Mais vous voyez bien que les rouges et les noirs ne se mélangent pas entre elles. Voilà. Ça veut dire que celles qui étaient au-dessus, bah, avant de redescendre, il y en a pour un bout de temps. Donc, la solution, ça va être de mixer américain et français au niveau mélange. Donc j'aurais fait comme tout à l'heure. Donc là je reconstitue un faux paquet, vous voyez bien. Et bien, on voit bien que les cartes sont beaucoup mieux réparties. Donc vous voyez bien que si vous alternez bien mélange américain, mélange français, vous aurez les avantages sans avoir les inconvénients. Voilà, c'était la vidéo pour bien mélanger vos cartes. Je vous invite à laisser des commentaires afin de partager vos éventuels conseils et stratégies.